Salut Lou, je suis toujours dans l'Hérault et là je suis revenu là où j'étais il y a quelques mois, c'est-à-dire dans les gorges de l'Hérault, j'allais dire de l'Ardèche. Donc là je suis dans les gorges de l'Hérault, je vais repartir sur le point où j'avais squatté il y a quelques mois. J'ai des visites à faire dans le coin demain. Là je ne les fais pas parce que j'ai la chaîne, donc enfermée dans le véhicule avec la cagnasse là. Parce qu'ici il fait encore extrêmement chaud, contrairement à plusieurs régions de la France. Je vais descendre un peu là, j'ai vu qu'il y avait une petite baraque en bas. Je ne sais pas où c'est que ça va mener. Quoi, faut toujours repasser une seconde fois sur les lieux. Et j'avais même pas vu ça il y a quelques mois. C'est en effectuant une recherche approfondie, en agrandissant map, que j'ai réussi à trouver ce lieu. Une ancienne habitation, ou plusieurs, parce qu'il y a. Il y a une autre maison là-bas derrière. On voit bien les traces des cloisons ainsi que sur le mur là. Je sais pas ce que ça donne si je vais là, si c'est dangereux ou pas. On voit le pont du diable. Donc j'ai plusieurs visites à faire. Je vais faire une visite d'un musée demain. Et ensuite, en fait, je vais faire qu'une visite par jour à cause de la chaleur. Je vais pas enfermer Blacky dans le camion et que c'est pas une canicule, mais il fait encore chaud. Alors j'ai fait une découverte là, bon, je le savais le jour où j'ai publié la vidéo. Donc pour moi c'est ce soir, vous allez voir la vidéo ce soir, là je ne sais plus quelle journée, j'ai dit ou vendredi, je ne sais pas. Concernant les cycles cosmiques. Alors il s'avère qu'en fait tout le monde fait une erreur. Donc moi j'ai fait une erreur vu que je ne connaissais rien dans le sujet. Et je me suis référé à ce que disait parce que disait la tradition, mais j'ai commis en fait la même erreur que tout le monde a commis constamment. En fait, il y a une nouvelle traduction. Tout le monde se base sur une tradition qui en fait est erronée. La traduction est mauvaise et qui fait que en fait toute la thématique relative au cycle est fausse. Donc je me suis gardé la page. Alors il faut que la traduction est mal faite. La traduction a été faite par un texte ancien et la traduction en français est mal construite et mal établie. Donc je peux pas la lire telle quelle. Il faut que je fasse des phrases avec. Et donc je vais refaire une vidéo concernant cette traduction et afin de vous apporter de nouveaux éléments qui remet tout en cause
Alors quand je dis tout en cause, c'est énorme parce que c'est incroyable à quel point les gens sont dans l'erreur. Je sais pas ce que c'était ici à l'époque. C'est incroyable à quel point les gens sont dans l'erreur parce que, voyez-vous, là on vit dans des temps difficiles et par rapport aux premières traductions que l'on a vis-à-vis de l'âge de fer dans lequel nous nous trouvons actuellement, l'âge des ténèbres, mais il s'avère qu'il en est tout autre. Je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien rédiger tout ça sur l'ordinateur afin de faire une bonne thèse. Et ensuite, je vous lirai le rendu. Et vous verrez qu'en fait, on se trompe tous. C'est sûr que le monde va mal actuellement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est pas aussi glauque, aussi morbide que ça, que tout le monde puisse le penser, quoi. Ce qui nous porte à défaut, c'est que on croit qu'on est dans l'âge de fer, et l'âge de fer il est identique à l'âge des ténèbres, à l'âge sombre, et en fait on n'est pas dans cet âge là quoi, on est dans un autre âge. Ce qui veut dire que l'âge de fer, ce que je vous ai pas expliqué dans les cycles, lorsqu'on passe de l'âge d'or à l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, on repasse pas directement à l'âge d'or. On remonte en fait. On remonte en repassant par l'âge de bronze, l'âge d'argent et l'âge d'or. Je vous en dirai un peu plus lorsque j'aurai fait, lorsque j'aurai détaillé tout ça, que j'aurai tout bien écrit en français correct. Et vous verrez que en fait, on est dans une erreur incroyable. Et si je souligne ce fait-là, c'est que ce genre d'erreur plonge l'humanité, quoi, une partie de l'humanité, ceux qui ont ces connaissances-là, dans l'erreur, quoi. Et ça, c'est gravissime, parce que ça fausse toute l'histoire. Vous comprendrez quand je vous en parlerai. Si on peut me casser la pipe là. Alors moi je vais partir un peu plus loin par là-bas, à quelques kilomètres. Je vais passer la journée, je vais attendre tranquillement jusqu'à demain. Et demain, je vais faire une visite, j'en ai une seconde à faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire dans la journée, tout dépend du temps en fait. S'il ne fait pas trop chaud, je la ferai. Et cette deuxième visite va s'effectuer pour moi en plusieurs visites. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos. Sinon la vidéo va durer des heures. Donc j'essaie de répartir ça tranquille. C'est une beauté là, c'est incroyable. Donc ça sera une toute petite vidéo. J'essaye de faire durer les secondes parce qu'une vidéo sur YouTube, elle est monétisable qu'à partir de 8 minutes. Donc ça veut dire que je mettrai une pub. Si la vidéo fait 10 minutes, je mettrai juste une seule pub de 5 minutes. Toutes les vidéos avant 8 minutes ne sont pas monétisables. J'en avais fait plusieurs à l'époque, j'ai dû les rallonger. Donc là, je regarde, je suis à 9 minutes 30. Je vous dis à très bientôt les loulous. Prenez bien soin de vous.
Tchuss. Yep. Donc je suis sur le spot. Pour ceux qui connaissent la chaîne et qui la suivent depuis le début, rappelez-vous, j'étais venu ici, j'avais filmé les milliers de papillons qu'il y avait ici il y a quelques mois. C'était, je crois, au mois d'août. Rappelez-vous, il y en avait partout. Quand on passait comme ça dans les allées, ils volaient de tous les côtés, quoi. Je me rappelle plus le nom, c'est un papillon qui vient de Chine. Ben, il nous reste un rescapé ici, là, qui s'en va. Alors j'essaie de passer dans les broussailles pour voir s'ils sont toujours là. Voilà, ben, je vais rejoindre ce rush à la vidéo précédente sur le deuxième topo sur les cycles. Oh, ben, apparemment il n'y a pas de papillon là, sinon en ma présence là il serait déjà en train de voler. Là, comme la chaleur l'a tapé là, oh, c'est cramé. C'est magnifique. Par contre, c'est gavé de moustiques. J'arrête pas de me faire piquer là. On voit la différence de l'eau là avec une journée canicule de l'été. Ça ressort pas aussi bien qu'à l'époque, quoi, qu'à l'époque, qu'il y a quelques mois. Donc là, je suis juste après le barrage en fait. Hein. Bon, après le barrage, je suis à peut-être 1 km après le barrage. Bon, allez, voilà. J'aurais bien été à la petite plage là-bas, mais il y a deux chiens ou chiennes, je sais pas, donc je vais pas m'aventurer. Je vais attendre un peu. Donc je vais rester ici. Là, je commence à potasser le topo sur les cycles. Mais il y a un problème là. Je suis en train de penser là, juste avant d'ouvrir la vidéo, c'est que ma batterie EcoFlow est à 30%. Et si, admettons, je branche l'ordinateur dessus, j'en avoir pour peut-être une heure de travail. Donc j'aurai pas assez le temps de tout bien écrire là. Si vous voulez, c'est compréhensible ce qui est écrit, mais il manque pas mal de mots. Qui fait que les phrases sont comme si elles étaient saccadées, quoi. Comme si c'était coupé. Donc il va falloir que je reprenne tout le travail. Et, je crois que il y a deux pages. Bon, je vais essayer de m'y mettre là maintenant et je vais voir ce que ça donne. Je vous souhaite une agréable journée, les loups. Profitez de la vie. Tchuss. Yep. Donc je suis sur le spot. Pour ceux qui connaissent la chaîne et qui la suivent depuis le début, rappelez-vous, j'étais venu ici, j'avais filmé les milliers de papillons qu'il y avait ici il y a quelques mois. C'était, je crois, au mois d'août. Rappelez-vous, il y en avait partout. Quand on passait comme ça dans les allées, ils volaient de tous les côtés, quoi. Je me rappelle plus le nom, c'est un papillon qui vient de Chine. Ben, il nous reste un rescapé ici là qui s'en va. Alors j'essaie de passer dans les broussailles pour voir s'ils sont toujours là. Voilà, ben, je vais rejoindre ce rush à la vidéo précédente sur le deuxième topo sur les cycles. Oh, bah, apparemment il n'y a pas de papillon là, sinon en ma présence là il serait déjà en train de voler. Là, comme la chaleur l'a tapé là, oh, c'est cramé. C'est magnifique. Hein. Par contre, c'est gavé de moustiques. J'arrête pas de me faire piquer là.
On voit la différence de l'eau là avec une journée canicule de l'été. Ça ressort pas aussi bien qu'à l'époque, quoi qu'à l'époque, qu'il y a quelques mois. Donc là je suis juste après le barrage en fait, hein. Bon, après le barrage, je suis à peut-être 1 km après le barrage. Bon allez, voilà. J'aurais bien été à la petite plage là-bas, mais il y a deux chiens, ou chiennes, je sais pas, donc je vais pas m'aventurer. Je vais attendre un peu. Donc je vais rester ici, là je commence à potasser le topo sur les cycles. Mais il y a un problème là, je suis en train de penser là, juste avant d'ouvrir la vidéo, c'est que ma batterie EcoFlow est à 30%. Et si, admettons, je branche l'ordinateur dessus, j'en aurai pour peut-être une heure de travail. Donc j'aurai pas assez le temps de tout bien écrire, voilà. Si vous voulez, c'est compréhensible ce qui est écrit, mais il manque pas mal de mots. Qui fait que les phrases sont comme si elles étaient saccadées, quoi. Comme si c'était coupé. Donc il va falloir que je reprenne tout le travail. Et, je crois qu'il y a deux pages. Bon, je vais essayer de m'y mettre là maintenant et je vais voir ce que ça donne. Je vous souhaite une agréable journée, les loups. Profitez de la vie. Tchuss.